On va repasser après. On me dit souvent que je suis un peu perché. Alors, un souvenir d'enfance au jardin. Alors, on a construit la maison avec mes parents. Je pense qu'on a passé pas mal de temps avec la brouette, la pelle. Je pense que c'est ça aussi qui m'a donné envie de faire ce métier. Ton profil est atypique. Pourquoi? Aujourd'hui, je suis le seul en claquette. Autrement, tu jardines. Alors, je jardinais pas mal. Jardiner, ça prend quand même pas mal de temps. Mais j'ai des clients qui sont assez sympas. Et voilà, tout ce qui est fruits et légumes, on a ce qu'il faut en cours de saison, quoi. Alors, une passion, un hobby, tout ce qui est décoration et la mode, le monde de la mode. Alors, mon outil fétiche, le crayon de papier. Quand j'arrive en rendez-vous, ce que j'adore faire, c'est dessiner le projet. Des fois, il n'y a pas besoin de parler, c'est beaucoup plus simple avec le crayon. Alors, ma plante fétiche, il y en a pas mal, mais si je devais choisir, ça serait l'hortensia Annabelle. Pourquoi ton jardin peut gagner? À travers ce jardin, j'ai vraiment envie de faire passer un message au niveau de l'aménagement ou même au niveau... un peu plus philosophique, je suis quelqu'un qui aime le challenge, c'est le moment.